Bonjour, c'est Mélanie. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto rapide. Pour ceux qui ont acheté le calendrier de l'Avent Miaux Création, vous avez trouvé cette petite chose à l'intérieur et certains se demandent ce que c'est. Donc c'est tout simplement un masque en forme de nuage. Juste pour rappel ou pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un masque, c'est tout simplement l'inverse d'un pochoir. Au lieu de créer un motif à l'intérieur d'une forme, avec un masque on va obtenir les contours d'une forme. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser un fond nuage avec ce masque. Donc, vous allez utiliser votre masque. Je prends un papier aquarelle ou mix média, coupé à 10 cm par 14,5 cm. De la Distress Oxide, donc ici j'ai choisi une couleur claire. Je vous conseille d'ailleurs une couleur claire, puisque ça passe beaucoup mieux, on voit beaucoup moins les démarcations. Et puis un applicateur avec une mousse. Donc c'est tout simple, on va prendre notre papier aquarelle et on va poser dessus le masque. Vous voyez, ici, je le mets. Alors, vous verrez peut-être pas grand-chose vu qu'il est transparent, mais vous allez voir dès que je vais appliquer l'encre. Donc, en fait, moi, je le tiens à la main. Si vous n'êtes pas sûr de vous, si vous avez peur que ça glisse, etc., vous mettez un petit morceau de masking tape ici, sur les deux côtés. En fait, vous avez vu que j'ai conçu le masque exprès pour qu'il puisse recouvrir entièrement une carte, un format carte, et donc il dépasse largement des deux côtés. Donc ça peut vous aider en fait à le maintenir si vraiment vous avez peur que ça bouge. Donc moi je le mets un petit peu en biais, je trouve ça plus facile parce que c'est plus dans le sens de ma main, mais après vous faites comme vous êtes à l'aise. Donc je prends ma carte, je pose mon masque en haut. Et puis, je vais prendre de l'encre. Alors, pour pas faire une grosse démarcation sur le papier, je vais tamponner un petit peu à côté pour enlever l'excédent d'encre. Et une fois que j'ai fait ça, je vais venir appliquer mon encre en faisant des applications circulaires. Voilà, donc vous arrêtez quand c'est bon pour vous. Vous pouvez faire varier l'intensité, mettre plus ou moins d'encre. À certains endroits, vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose de régulier. Donc ici, c'est bon pour moi. Je retire mon masque. Vous voyez qu'on a déjà une forme de nuage. Donc j'ai utilisé mon masque comme ceci. Je ne vais pas le remettre de la même façon tout du long parce que ça ne sera pas joli. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est... Alors je vais me rapprocher. Vous voyez, par exemple, ici, le plus haut du nuage, je ne vais pas le remettre en dessous. Vous pouvez vous amuser à le décaler gauche-droite. Et bien évidemment, retournez votre masque comme ceci pour utiliser. Vous voyez que le nuage n'a pas la même forme dans ce sens-là. Donc moi, c'est ce que je vous conseille de faire entre chaque rang. Donc là, je vais le placer comme ça. N'hésitez pas aussi à l'incliner, qu'il y ait des côtés plus haut, plus bas. Enfin, ça, c'est vraiment après à vous de vous amuser avec. Et donc, on continue. Et donc là, vous allez utiliser votre applicateur de biais. Pour ne pas le poser à plat, qu'il n'y ait pas tout le rond qui ancre, sinon vous allez masquer un petit peu le nuage du dessus. Et donc je vous conseille d'utiliser un bout de l'applicateur comme ça. Si vous l'utilisez en biais, en fait, il n'y aura qu'un morceau qui va toucher et il y aura moins d'encre partout. Voilà, j'ai fait mon deuxième rang. Et donc, je continue. Hop, je retourne de nouveau mon masque. Je vais le mettre comme ceci, en décalant la partie la plus haute, qu'elle ne soit pas exactement en dessous. Et je le mets un petit peu plus en biais. Alors, pour le dernier, c'est plus compliqué parce que vous voyez, ça bouge. Alors là, n'hésitez pas encore une fois à maintenir votre papier et votre masque avec du masking tape. C'est beaucoup plus facile. Moi, encore une fois, je ne fais pas ce que je vous dis. On dirait que j'aime bien me compliquer la vie. Donc, vous voyez qu'il est très facile de réaliser un fond nuage avec ce genre de masque. Et après, en fait, c'est très facile à laver, vous passez sous l'eau. Au pire, vous utilisez une petite goutte de savon. Vous allez voir qu'il se nettoie tout de suite. C'est une matière qui est vraiment très facile à laver.
très flexible, donc pour appliquer sur tous vos supports, vous n'aurez aucun problème. Et puis voilà, le fait que ça se lave très bien, c'est un gros plus. Donc voilà, vous allez pouvoir réaliser de jolis fonds de cartes comme ça. J'espère que ce petit tuto rapide vous a plu, vous donnera des idées, et j'ai hâte de voir vos réalisations. À bientôt sur myobscreation.com.